Le turfu. Le turfu, c'est l'automatisation, je vous le dis, les amis. Ça sert plus à rien d'avoir un corps. Vous avez vu, ça prend les moindres virus, ça tient à rien du tout. Faites comme moi, faites-vous incarner dans un automate, vous verrez, on est beaucoup mieux et on dure très très longtemps, voire indéfiniment même. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec la preview de Automaton. Automaton, un jeu d'aventure, exploration, puzzle, plus. Et oui, le fameux bouton Annie sur votre clavier, vous l'avez trouvé? Moi non plus, mais envoyez-les quand même. Ok, alors les déplacements sont très bizarres parce qu'on gère avec gauche et droite la rotation, l'orientation du robot. Et après, il faut monter pour avancer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nom de Dieu! Quoi d'ailleurs, je suis sur une seule roue, c'est idiot. J'essaie toutes les touches, hein, vu qu'on m'a rien indiqué du tout, on m'a lâché direct dedans comme un sauvage. On va peut-être regarder si on peut. Non, il n'y a pas. Alors, le jeu est très, à mon avis, très très à déconseiller aux personnes qui ont bu ou qui ont fait un gros apéro avant, quoi. Parce que déjà, à jeun, voilà. L'autre truc perturbant, c'est que la caméra, elle est pas libre. Et du coup, on subit les aléas de la météo et des météorites aussi. Alors moi, ça me perturbe, hein, de me déplacer comme ça, sans pouvoir bouger ma caméra. Je suis complètement retourné par cette situation, j'ai l'impression d'être revenu dans un vieux Tomb Raider. Je peux aller où je veux, really? Eh ben, on va le faire. Alors, je viens de remarquer à l'instant cette petite jauge tout en bas à gauche. Oui, on n'est pas dimanche, donc elle n'est pas de la jungle. Et cette jauge, bah, je pense qu'elle aura des choses à me dire dans pas longtemps, vu qu'elle est à moitié pleine, ce qui risque de ne plus être le cas dans un petit moment. Alors j'ai pas grand chose comme fonction, hein. Je peux rouler. Et puis voilà. Et si je veux voir où je vais, faut que je me débrouille avec ce qu'il y a en face là, de la caméra, vu que cet axe ne bouge pas et je trouve ça super étrange. Et je crois que cette première tentative va se solder par une pas réussite, on va dire. Oh, c'est dommage, c'est plus très loin. Je vous autorise à rigoler, je vous autorise vraiment. Pouf pouf, on refait. Je vais essayer de pas rigoler. Allez, debout là-dedans. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a rien à manipuler. C'est perturbant. Quand je suis en intérieur, j'ai pas de jauge. Ça, c'est la bonne nouvelle. Est-ce qu'il pourrait y en avoir des meilleurs? Je vais aller voir les caisses qui est autour chez moi. Peut-être qu'on aura une meilleure vue d'ensemble de ce bordel. Oui. Mais je réitère, hein, c'est super bizarre quand même. Pas de mouvement de caméra, ça perturbe. Un bateau échoué, ce qui est quand même bien space. Et cette idiote de caméra qui. Thank you.
J'ai pas confiance du tout dans cette caméra, quoi. Je sais absolument pas où je vais, si j'aurai assez d'énergie pour y aller, si je vais pas retomber en panne comme je viens de le faire précédemment et... Ma patrie fait cling clang clong. On va dire que pour l'instant, ce petit intermède m'indiquerait que je me suis pas trop trop mal démerdé. Ceci dit, la liaison magique. Il faut que je trouve un endroit où au moins me réalimenter, quoi. Elle est un peu tardive à apparaître, cette ombre. Non? Ou c'est moi alors? Je vais tomber en panne avant même d'avoir pu interagir avec le deuxième truc possible. Je vais rien dire. Les bras m'en tombent. Automaton, troisième tentative. Je. Non, pas de commentaire, ça va aller. J'ose plus emprunter la moindre direction. Ah, j'ai mon énergie qui se barre déjà. On va partir à droite cette fois. On verra si c'est better luck. Il me semble que droite, c'est l'endroit en plus où est allée se vautrer la météorite qui vient de tomber. Donc tout n'est que logique. Oui, non, peut-être. C'est pas très habité hein, là où je vais. On appelle couramment le désert, non? Ou un truc assimilé. Ouh là, la grosse mare de sable. Faut voir. Avec un peu de malchance, je vais arriver à avancer longtemps, mais je vais m'en sabler. Le jeu ne m'indique rien. Je suis livré à moi-même. Je fais absolument nawak. Je sais pas si je vais dans la bonne direction. Bref. Je me demande un peu ce que je fous là. Je crois pas que c'était la bonne celle-là. Non, 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 non. C'était mieux à gauche, il me semble. On va continuer, histoire de tomber en panne une nouvelle fois. Cette démo, je vais l'amortir, hein, je pense. Je vous donne rendez-vous à la quatrième tentative. Est-ce que je mets une fausse pub? Ouais. Oh, c'est dommage, si près du but. Si cette caméra pouvait bouger! Ah! If you had jalapenos and beans for every meal, you'd have an atomic butt blast too. Booger Man for Sega Genesis. Hey, boogers aren't his only weapon. Wasn't me. Il était un beau matin, un petit robot dans un conteneur. Il se réveilla et une alerte sonna. Blip, blip. Curieux? Il se dit, si je suis allé voir dehors, pourquoi j'ai un accent germanique? Parce que je suis de fabrication Volkswagen. Oh, que vois-je? Je le fais d'avance, hein, que vois-je, parce que... Bah du coup il apparaît pas cette fois. Et j'ai pas ma jauge. Oh, j'ai trouvé le Konami code du jeu. Je vais pouvoir rouler éternellement. Rolling, 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 yeah. Rolling, 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 yeah. Et oui, si vous avez suivi les trois fails précédents, quand je sortais devait y avoir une cutscene.
où des météorites devaient arriver. Et après, des bruits de petits bonhommes. Moi, je m'étais empressé de prendre n'importe quelle direction. Et ça avait bien merdé, puisque j'étais tombé en panne à chaque fois. Et là, cette fois, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un bateau, normalement, à gauche. Il est où? Where is the boat? Il n'y a pas de caméra qu'on puisse bouger. Je m'y ferai jamais. Je suis pas bien. Ah. Puis je suis pas mieux. Hein. Mais bon, maintenant je suis en mode freeride. Ah, le voilà, le bateau, je pense. Pourquoi j'ai pris l'accent? Bah parce que ça m'a fait rigoler. C'est arrivé soudain. Et je fais des dessins dans le sable. Et dites-moi, j'ai que l'ombre du bateau? Non, je viens juste de passer à travers. Ok, d'accord, c'est tranquille. Tout va bien. Vous voulez trouver les bugs dans une démo? Appelez-moi. Alors, j'ai toujours d'énergie, non? En fait, c'était un bug d'apparition d'énergie. Ce jeu va rester un mystère totalement, quoi. Je vais relancer. Je veux comprendre. I wanna know what love is. Et why the rainbow? Il y en a deux des fois. Je suis un robot. Je me réveille. Il y a une alerte. Et je comprends rien. Je regarde s'il n'y a pas des bouteilles d'huile à boire. Histoire de... me raviver les circuits. Mais non, pas la moindre bouteille. Alors je me casse. Oh, j'ai pas mon monocle de soleil. Oui, bah quand on a qu'un œil, c'est un monocle. La tête frimée avec vos lunettes de soleil. Du coup, je vais où? Bah je sais pas. Est-ce que je peux interagir avec des trucs? Non. Est-ce que j'ai un peu l'air couillon? Comment dire? Il y a un bout d'idée là. J'ai encore crevé en voulant aller là-bas, mais je vais le faire. Et après, j'abandonne. Parce que moi, je veux bien qu'il y ait le libre arbitre du joueur qui soit totalement laissé à sa guise. Mais attends, s'il n'y a pas d'objectif. Et que si on s'éloigne de 300 mètres de chez soi, on tombe en panne. Que faire, Nicolas? Que faire? Je pose la question. Est-ce que je m'énerve? Non, pas du tout. Et pourtant, j'ai plus ma jauge d'indication d'énergie, donc du coup maintenant j'y vais carrément au pif, quoi. Ouais, il me plaît bien ce pylône. Ou celui-là, s'il est plus proche, je sais pas. Faut être con pour être un robot dans le sable déjà. Et d'une, hein, on va dire les choses. Après, partir sans une batterie de secours. Non mais franchement, il a quoi dans les circuits, le gars là? Et on passe à travers les objets, bordel! Ah, la caméra de ta mère. I seriously bleep do not understand this game. This game is a joke. Les amis, si je publie ce stream, je sais pas comment je vais pouvoir décrire ce qui s'est passé à part laisser sans commentaire, quoi. J'abandonne. Ce jeu a gagné. Il est beaucoup trop fort pour moi. Automaton, donc je vous invite à essayer la démo et essayer de mieux comprendre. Perso, je peux pas insister là. Je sens qu'on me vole mon temps. Et j'en ai besoin. Vous le savez bien. Playlist, bouton d'abonnement. Je m'enfuis. Je m'enterre dans le sable. Je me cache.